Ça ne saurait tarder. Bon, on est arrivé au terme de cette mission. Oh, c'est pas vrai, mesdames, messieurs, la question de savoir d'où vient le Père Noël, il est là. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient, parce qu'on ne va pas vous le dire. C'est à... Vous savez ? Bon, très bien, Père Noël. Vous êtes votre concours, mon cher Jean-Marc. Alors ? J'ai fait une longue route, ça peut vous aider. Bon, Père Noël. Oh. Vous avez été relativement sage cette année. Pardon, je dois l'être aussi, je sens que je le mettrai dans la main. Oh, merci, Père Noël. Jean-Marc, vos amis m'ont écrit une petite lettre. J'ai des amis, moi. Ils se sont mis à plusieurs. Celui qui savait écrire a pris la plume. Ils m'ont demandé un petit cadeau pour vous. Et le voici. Non, c'est mon boulot, vous savez. Tout à fait. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle des amis, vous voyez. Bon, eh bien, merci beaucoup, Père Noël. Mais il n'y a vraiment pas de quoi. Père Noël, vous ne nous dites pas... Pardon, je prends votre micro, voilà. Père Noël, restez là. Je ne vous dis... Vous ne nous dites pas d'où Sachez vous... une chose, lorsque vous faites un cadeau, même un micro, vous devez le laisser à la personne à laquelle vous l'avez offert. Oui, vous me le laissez donc. Donc, je vous laisse le micro, c'est merci. Bien. Père Noël, vous ne nous dites pas d'où vous venez. Vous êtes venu ici au Chalet Suisse. Vous êtes le Père Noël de la télévision de la région lausannoise. Vous asseyez peut-être vieux. Pas sur Anne Carrard, hein, parce que... Bon. Et les conditions de travail étant ce qu'elles sont, on m'a pas accordé la retraite. Père Noël, est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos téléspectatrices, nos téléspectateurs pour cette fête de Noël, peut-être ? Vous adressez à eux ? Eh bien, non, je ne sais pas trop quoi leur dire. Je leur souhaite une année pleine de bonheur, de santé et de succès puisqu'il en faut. Je leur souhaite une année pleine d'émissions de TVRL. Que puis-je dire d'autre ? À tous ceux qui n'ont pas de cheveux, je souhaite qu'ils repoussent un jour. Mais bon, je ne peux pas tout faire non plus. Excusez-moi. On fera le maximum, cela dit. Merci, Père Noël, d'être merci venu à vous, merci dans à vous. Cette soirée exceptionnelle. C'est normal. Madame, monsieur, on vous souhaite une très, très belle fin de soirée. Et puis surtout, on a envie de vous dire joyeux Noël. Mais le bonheur, c'est parfois une toute petite chose comme ça. Et on espère que vous saurez saisir ce bonheur au moment où il vient vers vous. Et on espère que vous pourrez peut-être en tendant une main aussi offrir un peu de bonheur à celles et à ceux qui en ont besoin.